Bon, c'est le matin très tôt, j'ai réussi à mettre la main sur Max. Et, un attrapable, le gars. C'est, voilà, en son de la gloire. En son de la gloire. J'ai réussi à le voir et puis il veut me présenter quelque chose qui est pas mal. Allez, vas-y. Allez, le BGA 300. Le BGA 300, c'est un souffleur qui va arriver dans courant de l'année, ouais. Qui est sur l'équivalence du BR 550. D'accord. Voilà, donc on est déjà quand même sur du gros souffleur. Hormis sa force de soufflage, bon, bah, on retrouve toute l'ergonomie du BR 800, donc le gros thermique qu'on connaît. Bon, bien sûr, on ne retrouve pas la petite poignée de lanceur sur le côté. Hein. Il n'y en a pas besoin. Dessus, on va retrouver les mêmes avantages qu'on a sur le BGA 200, c'est-à-dire le régulateur de vitesse pour ne plus avoir à gérer la force de soufflage. Dessus, on va avoir nos trois modes de puissance, donc avec un vrai variateur qui vont me permettre de gérer la puissance de mon souffleur. Et à chaque fois, peu importe la vitesse sur laquelle je suis, je verrouille ma force de soufflage. Et si jamais j'ai besoin de décoller quelque chose au sol, je peux mettre un coup de boost. Voilà, mais je reviens au régulateur à la vitesse à laquelle j'ai bloqué. Comme en voiture, quand je fais un dépassement, le même principe. Et la grosse force de ce souffleur, c'est que dessus, on a fait tout un travail sur le côté silencieux. En fait, la particularité d'un souffleur, on va principalement s'en servir pour tout ce qui est commune, etc., le nettoyage de la voirie notamment. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le bruit. Et on a travaillé en fait sur les ondes longues qui émettent le bruit du souffleur pour éviter d'avoir un bruit qui va vraiment s'étendre. Donc grâce à la partie orange que vous voyez ici, on va venir capter les ondes longues pour éviter d'avoir un souffleur trop bruyant. Donc autour des 4-5 mètres de rayon autour du souffleur, on va entendre quasiment le même bruit que ce que va supporter l'utilisateur du souffleur. Par contre, autour, on atténue directement les ondes pour avoir quelque chose de vraiment silencieux. Donc pour aller travailler dans des hôtels, pour aller travailler dans des jardins, pour aller faire tout ce genre de choses, ça va vraiment être dédié pour et justement éviter d'avoir tout ce bruit. Donc c'est pas qu'un souffleur qui souffle, on pense tout au confort qu'on a autour. Le confort de l'utilisateur, mais également le confort des personnes qu'on va avoir autour. Même pour nous, pour notre niche, pour les légages, en zone résidentielle, parce qu'on en fait de plus en plus, ça change la vie. Voilà. Ça change la vie. Et quand on intervient chez des gens, qu'on dit je vous ai même pas entendu passer, ouais. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on a travaillé proprement, ouais. qu'on a fait du bon boulot. Quoi. Ça sort 25 newtons de puissance de soufflage, donc on est déjà pas mal. On est déjà sur l'équivalent d'un bon thermique. Quoi. Ouais, le BR550. Et si tu es nouveau ici, il faudrait sérieusement que tu songes à t'abonner. Bah ouais, je fais de la super vidéo toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc. Bon, ouais, là-dessus, on est à 25 newtons. Et dessus, on a mis aussi on a pensé à 2-3 trucs. On a fait un petit passage de chaîne ici pour l'antivol, notamment à hauteur de la batterie à l'arrière. Donc quand tu as besoin de stocker tes outils dans un hangar ou quoi que ce soit, tu peux, t'as le passage des chaînes, tu vois, tu as la forme du maillon ici. Et ce qui est bien, c'est que tu vas choper directement la hauteur de ta batterie. D'accord. Ici, tu as l'emplacement pour mettre le Smart Connector 2A. Ouais. Donc le nouveau Smart Connector qui lui maintenant ne capte plus, n'est plus par vibration, par champ magnétique, oui, que dégage la machine, mais lui il est directement relié à l'intérieur. D'accord. Par le biais d'un câble. Donc ça te permet d'augmenter la précision et d'avoir un peu plus d'informations, ouais, sur ta machine. Et après sur tout le reste, sur tout ce qui est buse, harnais, etc., on est sur l'équivalence du thermique, c'est-à-dire la buse réglable en longueur pour prendre moins de place dans les coffres, ouais, soit la buse longue quand tu vas vouloir souffler la voirie à ras du sol, soit tu mets une buse plate, etc. On retrouve exactement tous les accessoires que tu vas avoir sur du thermique. Et en termes d'autonomie, Max, ça donne quoi, grosso? En termes d'autonomie, en boost, tu vas avoir, de mémoire, on est à 70 minutes, d'accord, sur le mode boost avec une AR 3000. Ouais. Et après, sur le mode le plus lent, on va avoir aux alentours de 3 heures. Voilà. Oui, c'est quand même. Voilà. C'est confortable. Quoi. C'est confortable. Après, il ne faut pas oublier que le souffleur, c'est quand même quelque chose qui consomme le plus d'énergie. Oui, oui. Parce que brasser de l'air, ça demande énormément d'énergie. Je veux dire souffler pendant 3 heures. Ouais, d'accord. Pour les communes, pour tout. Pour faire du gros ramassage de feuilles, ouais, ça justifie, quoi. D'accord. Et une petite remarque qu'on m'avait faite avec le souffleur. Aujourd'hui, avec le souffleur thermique, on a toujours l'habitude de bosser à fond, etc. Et en fait, le problème, c'est que quand tu souffles à fond, tu vas te retrouver à déplacer tes feuilles ou ce que tu cherches à déplacer, tes copeaux, à 5-10 mètres de toi. Le problème de faire ça, c'est que d'une part, t'en fous partout. Et des utilisateurs m'ont fait remarquer que le fait de baisser ta puissance de soufflage, tu vas d'une part consommer moins d'énergie, avoir ton régulateur de vitesse et mettre un coup de boost quand tu as besoin de décoller un gros bout de bois ou quelque chose, c'est intéressant parce que tu économises de l'énergie et surtout tu vas gagner du temps au travail.
Et en fait, on a fait le test avec deux employés d'une grosse métropole. Et tu en avais un qui travaillait tout le temps en boost et l'autre qui travaillait pas en boost. En fait, au final, il y en a un, sur le même temps, celui qui travaillait moins fort, il a été plus loin que l'autre. Le fait de moins disperser ses feuilles et tout ce qu'il cherche à ramasser, parce qu'à la place que ça soit à 5 ou 10 mètres, bah, ça se retrouve à 2-3 mètres devant toi, tu fais du travail propre et t'avances. Un truc collé et tu décolles. Et surtout, bah, en fait, tu viens gérer l'autonomie. Quelque chose auquel on ne pensait pas avant avec du thermique. On allait chercher à avoir de la puissance, on se mettait à fond et puis on envoyait. Alors que là, bah, on commence à chercher à travailler un petit peu différemment, un petit peu plus intelligemment, parce qu'on a des nouvelles contraintes qui apparaissent. Puis voilà. Extra. Super belle machine, Max. Merci, Jo. Je vais la tester tout de suite. Voilà, ça, Max, c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. On en parle de plus en plus. La communication sur les chantiers. Énorme. La communication. Alors, la communication, je pense que vous savez tous, ça facilite le chantier, ça augmente la sécurité, ça fait gagner du temps. Arrêtez d'aller chercher. Commence. Non, c'est bon. Ça fait gagner du temps quand on commence à chercher des clés, savoir où est le jerrycan, quand on commence à câbler des arbres pour pouvoir les mettre en tension. Ça gagne énormément de temps et surtout, c'est un confort au travail. Le problème aujourd'hui qu'il y a sur la plupart des cases de communication, c'est que tu as beaucoup de parasites à cause des ondes qu'émettent les machines. Tu as un inconfort, tu as des vibrations, tu ne peux pas discuter quand tu as la machine qui se met à travailler à côté de toi. En fait, nous, on a travaillé avec une grande marque de communication qui s'appelle Sena. Et on a développé un produit avec eux. C'est avec Sena que vous avez bossé ? C'est avec Sena qu'on a bossé. En fait, c'est beaucoup d'intercom moto. Exactement. Au bruit, au vent. C'est ça. Et la force qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables d'isoler certains bruits. Oui. Donc nous, on a développé quelque chose avec eux, dédié à notre métier. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui vient d'ailleurs. D'accord. Donc on a travaillé sur les bruits des chaînes, sur les bruits des moteurs, on a travaillé sur les bruits du souffleur, de la débroussailleuse, tu sais, tous les bruits qu'engendre la machine à l'usage, mais aussi au moteur. Ouais. Et en fait, on est venu travailler pour filtrer tout ça. Et sur le casque, vous allez déjà avoir trois micros. Vous allez avoir un micro de communication et deux micros ambiants. C'est-à-dire que de chaque côté, tu vas pouvoir entendre ce qui se passe. C'est pour faire du air-trill comme sur les iPods. Exactement. Ouais. Le casque, comment il fonctionne? Deux modes de communication, soit un mode de conversation, c'est-à-dire que le micro principal se déclenche à la voix. Ouais. Deuxième mode de communication, comme un talkie. Donc pour pouvoir parler dessus, tu as un bouton sur la partie arrière du côté du micro, ouais. Tu appuies dessus, quand tu parles. On a le choix. Voilà, comme un talkie, tu as le choix. Pour passer d'un mode à l'autre, c'est assez simple. Tu as un autre bouton à droite derrière, tu appuies une seule fois, micro on, micro off, ouais. Soit tu es en mode conversation, soit tu n'es pas en mode conversation. Donc ça reste assez simple. Les touches sont vraiment grosses, tu vois, on est vraiment délimité par tout ce genre de choses. Quand tu vas vouloir travailler avec des gants, ouais. Tu vas vraiment pouvoir délimiter tous les boutons. Tous les boutons sont vraiment assez perspectives, enfin, tu as une bonne sensibilité. Dessus, on va également pouvoir connecter ce casque sur la base du téléphone. La particularité de le connecter sur le téléphone, c'est que tu ne seras pas obligé de le connecter pour t'en servir. Oui. Dessus, tu vas avoir accès à différents réglages. Premièrement, tu vas avoir un mode retour d'écoute, c'est-à-dire que quand tu vas parler, tu vas t'entendre dans le casque. Ça, tu peux l'activer et le désactiver. Si jamais tu le désactives, en fait, tu ne vas plus savoir si jamais tu émets le son. Donc, c'est un confort de le supprimer. Par contre, si jamais toi, tu t'entends dans ton micro, ça veut dire que les autres t'entendent aussi. Tu vas pouvoir régler la radio. Dessus, tu as la radio, tu mets ta station FM comme tu le souhaites. Tu vas pouvoir mettre ta musique si tu le souhaites. À partir du moment où tu es en communication, tu peux faire deux paramètres. Soit un paramètre, tu coupes la radio quand il y a quelqu'un qui te parle, ouais. Ou tu l'atténues au minimum. D'accord. Pour que la voix prenne le dessus. Vous avez poussé quand même les réglages et puis le développement ouais. Moi, parce que c'est grosso modo, Maximilien, sans dire de bêtises et sans trop faire la promo de style, quoi, que c'est vraiment bien de la faire parce que c'est du produit qui bosse pour nous. C'est vraiment développé dans ce qu'on a vraiment besoin tous les jours. C'est le but du jeu, c'est de travailler avec. Ouais. Là, c'est Maximilien me le fait découvrir. Je n'ai pas checké avant, on saute sur le produit. Vous avez vu que j'ai fait des choses sur les intercoms. C'est vraiment bien bossé. Dessus, tu peux activer ton Siri ou ton Google pour éviter de sortir ton portable quand tu as besoin de passer un appel. Ouais. Tu as une portée de 15 mètres en Bluetooth par rapport à ton casque et ton téléphone. Ça se recharge avec un USB-C. Ouais, en moins d'une heure, ton casque il est rechargé. En termes d'autonomie, tu écoutes de la musique ou la radio, tu vas avoir 9 heures d'autonomie. Bonne journée de boulot. Bonne journée en musique. Ouais. Sans musique, tu passes à 17 heures d'autonomie. Ouais. Donc ce qui est plutôt quand même pas mal. Ouais. Deuxièmement, en termes de portée. Ouais.
Chaque casque est émetteur-récepteur, mais il va te servir également de relais. Donc ça fait relais, ok. C'est-à-dire que entre chaque casque, tu as une portée de 700 mètres en champ libre. Entre chaque casque ? Entre chaque casque, 700 mètres. D'accord. Dans les peuplements les plus denses en forêt, ouais, on a testé 170 mètres au minimum. D'accord. Donc ce qui est quand même franchement intéressant, oui, en termes de portée. Tu peux connecter jusqu'à 16 casques sur le même canal. Ce qui veut dire qu'en gros, tu alignes 16 casques en bord de route, ouais, tu tapes les 10 km de portée. Un truc de dingue. C'est énorme. Ouais. L'autre avantage que tu vas avoir, c'est qu'au sein de chaque canal, tu peux créer des groupes. Admettons, tu as l'équipe 1, l'équipe 2. Tu n'es pas obligé de discuter avec les deux en même temps. D'accord. Tu fais soit l'équipe 1, soit l'équipe 2, soit l'équipe 1 et 2. Oui, d'accord. L'intérêt de ça, c'est qu'un chef d'équipe, il a besoin de passer des messages. Tu as une équipe qui débroussaille, une équipe qui tronçonne. Ouais. Tu peux gérer dans ce sens-là, soit les unes, soit l'une, soit les deux, comme tu le souhaites. Donc, tu as 7 canaux. Pour changer de canal, tu seras obligatoirement obligé de passer par le téléphone. Ton casque, quand tu le reçois... Application dédiée. Application dédiée, l'application Procom. Ton casque, quand tu le reçois, tu es obligatoirement sur le canal numéro 1. Pour synchroniser les casques, il n'y a aucune manipulation à faire. Du moment que ton casque est sur le même canal qu'un autre, tu vas pouvoir te connecter automatiquement aux autres. Tu n'as rien à faire, dès que tu l'allumes, ça s'enclenche tout seul. Autre chose importante, tu as les kits hygiène, tu remplaces tes poires de micro, tu remplaces les oreillettes. Oui. Tu as deux coussins de micro qui te sont livrés avec le casque. D'accord. Tu as deux versions. Une première version que tu vas pouvoir venir monter directement sur un casque classique. Donc on est sur la fixation basique, la fixation 3M. Si jamais tu veux l'adapter sur un Protos, tu le peux. Il existe les triers qui vendent là pour pouvoir fixer le 3M, c'est faisable. Sur mon Zenith, je peux le passer. Le casque-casque ? Oui. Ouais, tu peux le passer. Mais sur le Protos de chez Fanner, il y a un étrier spécifique, ouais, pour pouvoir monter les fixations 3M. Voilà. Deux versions, donc une version comme celle-ci qui s'adapte sur tous les casques et une deuxième version bandeau, oui, qui elle, la seule différence qu'elle va avoir, ça va être en termes d'étanchéité sonore. Ici on sera SNR 32. D'accord. Et là on sera SNR 31. Oui. Les mousses, on est sur des mousses de bonne qualité, on est sur des mousses qui sont quand même assez souples. On va pas avoir cette mousse qui va durcir quand il fait froid. On a quelque, oui, chose qui est vraiment moelleux, tu vois, on est sur quelque chose de quali, même le fond de la mousse qui est au fond. Le micro est démontable et remplaçable. Donc on va venir faire un quart de tour sur le côté et, d'accord, tu peux sortir ton micro. D'accord. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que si jamais tu veux le stocker et que tu veux éviter d'abîmer ton micro, ouais, tu peux l'enlever de manière assez simple. Tu peux travailler avec sous la pluie, etc. Si tu veux le mettre sur les oreilles pour regarder le confort que ça a. Ah oui, le prix quand même, ça peut intéresser. Ça vaut 450 € le casque. En plus, tu parles de prix, voilà, c'est extra. Ça coûte 450 balles. TTC, catalogue. Donc on est quasiment moins cher que tout ce qui existe aujourd'hui. Entre autres, pour des performances largement au-dessus, ouais, de, en termes de prix. Pour nous, quoi. C'est ça. C'est vraiment dédié pour. Les connexions à partir de 2-3 gars, c'était un peu laborieux. Moi, j'ai jamais opté pour les solutions. Ouais. T'as vu, j'ai bidouillé les miennes. Mais, ouais, j'ai vu que tu avais fait une bidouille. Ouais. Et ce qui est bluffant en fait avec ce casque, tout au début je vous ai parlé de la partie micro extérieure, c'est que dès que tu vas démarrer une machine et que tu restes en conversation, sans parler plus fort que là ce que je parle, ouais, de l'autre côté le gars il t'entend, ouais, il entendra forcément un peu la tronceau, mais il l'aura largement atténué, ouais, et ta voix va prendre le dessus. Alors, et ça c'est important. Ça. Oui c'est important, alors tout bêtement, les intercoms sur chantier, quand il y a une atténuation de bruit mais que le bruit est toujours présent, on sait ce qui se passe sur le chantier. Quelqu'un me parle, je sais s'il est au poste, s'il est sur, au poste de son broyeur, s'il est en train de consommer, ou alors s'il est en train de rien foutre. Quoi. Et ça, c'est vraiment génial, parce que moi, sur mon expérience avec les intercoms, là, ils sont poussés sur ce monde de ce qui peut être fait, c'est que sans regarder, on a, sans le réfléchir, une situation de chantier dans la tête. On sait qui fait quoi et à peu près où se trouvent les gars. Je trouve que ça apporte énormément en sécurité sur le chantier, Max. Moi, j'ai vu la différence. Ouais. Énormément en sécurité sur le chantier. Et également en rendement. Parce qu'il n'y a pas de temps, perdu inutilement en communication perdue. Ça, honnêtement, je trouve que c'est super. Le fait d'avoir une atténuation de bruit, c'est pas grand-chose, mais ça nous permet de travailler dans super bonnes conditions. Ça, c'est vraiment excellent. Je pense que tu l'essaies. Tu peux régler la sensibilité de ton micro pour pouvoir émettre plus ou moins fort. Ouais. Voilà. Et en fonction de la sensibilité de déclenchement. Voilà, exactement. Et ça, l'intérêt de ça, suivant la portance de ta voix, oui, ça va te permettre de déclencher de manière plus ou moins simple. D'accord. Voilà. Et dessus, donc sur le bouton droit où je te disais, tu actives on ou off ton micro. Oui. Si jamais tu double-cliques rapide dessus, vas-y, fais-le.
Ok. Est-ce que tu entends tous les bruits extérieurs? Ouais, ça devient vraiment présent là. Et là, en fait, c'est comme si jamais tu n'avais plus de casque. Ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où tu vas avoir un bruit qui risque d'endommager ton ouïe, oui. Et ben, le casque se met en sécu. Ouais. Donc il va filtrer ce bruit-là. Ouais. Par contre, tu continues d'entendre ce qui se passe autour quand même. Ouais. D'accord. Donc on a une réduction de bruit sur ce qui est vraiment qui pète en décibels. Et exactement. Voilà. On écoute quand même le chantier autour de nous. Tu écoutes quand même le chantier autour de toi. Au niveau sécurité, c'est... Et là, c'est clairement, ça change complètement la donne. Ouais. Et la portance, le confort que tu as à ce niveau-là, c'est juste c'est dingue. Et avec ton appli, donc l'appli qui s'appelle Procom, quand tu es sur ton appli, ouais. Donc là tu vois, on a activé les bruits ambiants, je ne sais pas si jamais c'est le tien ou le mien, c'est ouais, le mien. D'accord. Donc là, moi je vais réactiver les bruits ambiants depuis l'appli. Tout ce que tu fais depuis l'appli, tu peux le faire depuis le casque. Depuis le casque, d'accord. Sauf changer les canaux. Oui, changer les canaux, il faut absolument passer par le centre. Et tu vois, en passant dans les paramètres de l'appareil, si jamais tu peux changer ta langue de casque, ouais. Tu peux régler ta radio, tu peux régler la sensibilité du micro. Ouais. Tu vois, là je l'ai mis en niveau 3, je peux la mettre en plus élevé oui. Pour que tu m'entendes ou pas. Très bien. Tout ça, tu peux tout gérer et tu peux avoir l'indication de mise hors de portée casque. Ça veut oui. Dire que dès qu'il y a quelqu'un qui sort de la zone d'émission, il te le signale. Ouais. Et même lui, il le sait. L'intérêt, c'est que tu sais quand tu peux plus discuter avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ça évite de parler dans le vide et de penser que l'autre a écouté. Ce que je dis toujours, c'est qu'en com, l'important, c'est pas tellement de dire, c'est de s'assurer que l'autre a compris et écouté. Parce que bien souvent, on peut parler, mais si l'autre n'a pas franchement compris ce qu'on a dit, l'information n'a servi à rien. Et là, le fait de savoir que quelqu'un sort du champ et que quand on lui parle, bah, il ne s'écoute pas, c'est une bonne indication quand même, même au niveau sécurité. Et est-ce que tu as vu le faible laps de temps que tu as entre le temps où je parle et le temps ouais. Où tu reçois? Oui. T'es quasiment en instantané en fait. Ouais, quasiment pas de latence. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux me parler et je te parle en même temps. Oui. C'est-à-dire que t'es à une vraie conversation. Oui. T'es pas comme un toki où non, ça non. Te coupe la voix de l'autre oui, quand il y en a un qui parle. Là, on peut échanger en même temps. Voilà, et même et à plusieurs. Et à plusieurs. Et à plusieurs. Et ça, c'est un vrai intérêt. Oui, voilà. On est d'accord. Bon, ben c'est top ça. Voilà, Jo. Ah, honnêtement, ça fait. Ça, Max, ça fait plaisir. Et c'est une innovation qui nous sert. T'as vu le confort? Ouais, c'est énorme. Même le confort du casque lui-même. C'est étonnant, là je viens de couper le AirTwill, je viens de couper le bruit ambiant. Je suis isolé. Et regarde, t'as vu la qualité sonore? Là t'es dans ton monde. Là tu échanges et c'est impressionnant quoi. Ouais, je t'entends bien. Bon bah honnêtement c'est extra. Et je crois que c'est... Bon, je veux descendre personne, vous savez que c'est pas mon genre, mais je crois que c'est réellement le premier intercom qui est voilà. Il est fait pour le métier en fait. Et puis qui il a été qui développé comme pour qui fonctionne, qui a les fonctions qui nous sont utiles tous les jours en train de bosser. Dès que j'en ai, je t'en mettrai à l'essai. Tu feras un retour sur ce qui ton retour terrain quoi, tu verras, tu me diras.